Mesdames et messieurs, l'attraction que vous attendez, le numéro le plus sensationnel du siècle, du spectacle, de l'émotion, de l'action, de l'histoire. Messieurs, dames, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, un fauve 100 fois plus meurtrier que ceux dans notre ménagerie. Un monstre sanguinaire aux yeux d'ange. Von binnen boeren, burgers en buitenlui. Het spel gaat direct beginnen. We vertonen u vanavond een film voor jong en oud, voor rijk en arm. Een film die u tot nadenken brengt. Een film waar u wat van mee naar huis neemt. En wel de film, de komedie om het geld. Volumpe Reiner Linde, dieser start ums morgen rot, mitsamt mit ihrem Kinde, der treue Johann rup sie ein in ungeweihter Erde. Und ihre beiden Gräberlein zerstampften wilde Pferde, zerstampften wilde Pferde. Das ist treue Liebe, Et moi, qu'est-ce que je suis dans cette histoire? Larron, l'auteur, le compère, un passant. Je suis vous. Enfin, je suis n'importe quel d'entre vous. Je suis l'incarnation de votre désir. De votre désir de tout connaître. Les hommes ne connaissent jamais qu'une partie de la réalité. Et pourquoi? Parce qu'ils ne voient qu'un seul aspect des choses. Moi, je les vois tous. Parce que je vois en rond. Il faisait encore nuit lorsque la voiture de police a quitté Grenoble. Le village est à 23 km. On a également appelé une ambulance qui doit déjà être sur place, car elle vient par la route de Chambéry. Je m'appelle Odile Jouve. Et si vous me prenez pour une joueuse de tennis, vous êtes complètement dans l'erreur. Je crois que la caméra prend mon visage, mais si elle voulait bien s'éloigner, vous comprendriez immédiatement la situation. Allez, reculez! Ce qui est ennuyeux, c'est qu'il me les a donnés au lendemain de notre mariage. Qu'est-ce
quoi faire. Évidemment, si maman était là, elle me le dirait. Je ne tirerai pas 20 000 francs de tout ça. Non, je refuse absolument de me séparer d'une fourrure. Je les aime trop. Don't be frightened. Even if it's not becoming, the lobster would pay no attention. I was wrong. It is becoming. Now, let's see. When did they have lobster again? Friday. How about Friday? Oh, a week is a long time. How about Wednesday? Ah oui. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Dans la vie? Ses yeux que tu as. Excuse me, Herr Brandt, but the lady in the next room, if I'm not mistaken, it's the Countess Rudensky, wonders if you would do her the favor of signing her program. No, it's not in the least deserved. 4 years ago when you played the D minor. You remember that? The morning review also compared you to a young Mozart. I was very young. There was that much resemblance. You like it? Mm. Ho già detto che lei era arrivata. Non mi credi in imbarazzo, faccia presto. Vuole che venga lei aiutata? Ad asciugarsi? Sei sola, naturalmente, eh? C'est l'histoire d'une maison. Pas une maison de rapport, du moins dans le sens où on l'entend généralement. C'était une maison, comment dirais-je, je ne voudrais pas vous choquer ni vous effrayer. Enfin, c'était une maison. Mais c'était une maison très bien tenue. On allait là chaque soir, vers 11h, comme au café, simplement. Ils s'y retrouvaient à 6 ou 8, toujours les mêmes, non pas des noceurs, mais des hommes honorables, des commerçants, des jeunes gens de la ville. Et l'on prenait sa chartreuse en lutinant quelque peu les filles, ou bien on causait bonsoir sérieusement avec madame, que tout le monde respectait. Trop tard. Madame, issue d'une bonne famille de paysans, avait accepté cette profession absolument comme elle serait devenue modiste ou lingère. Le préjugé si violent et si vivace dans les villes n'existait pas dans la campagne normande. Le paysan disait, c'est un bon métier. Et il envoyait son enfant tenir un harem de filles comme il l'eût envoyé diriger un pensionnat de demoiselles. Cette maison, du reste, était venue par héritage d'un oncle. Monsieur et madame, autrefois aubergistes, avaient immédiatement liquidé, jugeant la nouvelle affaire plus avantageuse. Et ils étaient arrivés un beau matin prendre la direction de l'entreprise qui périclitait en l'absence des patrons. C'étaient de braves gens qui se firent aimer tout de suite de leur personnel et des voisins. Monsieur mourut d'un coup de sang 2 ans plus tard. Sa nouvelle profession l'entretenant dans la mollesse et l'immobilité, il était devenu très gros et la santé l'avait étouffé. I need some change. I'm in the middle of a phone conversation. I've got some time, I think. I think I'll need another quarter. Mm-hmm.
honte. Allez. La promenade commence. Allez. Pétersbourg sous la neige. Regarde mon pays, quoi. À droite, la statue de Pierre le Grand. À gauche, la perspective Nevski. Que toi bien, hein. C'est la cathédrale. Allez, là. Balle. La bourse. Allez, allez, plus vite. Mouvement-toi. Allez, allez. Halte. C'est très simple. Je n'ai qu'à ne pas espérer. Très juste. À jeudi, madame. À jeudi. À vendredi, madame. Oui. 4 jours sans vous voir. On ne danse donc plus à Paris. C'est pour vous laisser le temps de faire de la politique étrangère. Ah, bon. Que raconte-t-on à votre ambassade? Oh, peu de choses. Il paraît que on a des embêtements avec le Monténégro. Qui vous a dit ça? Henriette de Grandpierre. Oh, et alors? Elle est au mieux avec M. de Sainte-Croix. Et M. de Sainte-Croix a une histoire assez compromettante au Monténégro. À votre place, je ne m'inquiéterai tout de même pas tant. Avez-vous de bonnes nouvelles de votre mari? Excellente, merci. Deux jours sans vous voir. Mon chef de cabinet se plaint de ma nervosité. Très amusant, le bal ce soir. Oui. Vous avez vu la femme de l'amiral en danseuse de corde? On les voit partout. C'est parce qu'ils ne peuvent se voir ailleurs. Pourquoi dites-vous ça sur un ton de pitié? Je ne dis pas ça sur un ton de pitié. Je constate, simplement. Je ne marchais donc pas sur les pieds. Avez-vous des bonnes nouvelles? De qui? Oui, merci, excellente. Ah. 24 heures sans vous voir. Je sais, c'est un supplice. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Sinistre, ce bal. Je ne trouve pas. Je ne sais pas. Pourquoi vous le souriez? Je ne puis supporter ce garçon. Ne me dites pas que vous commencez à espérer. Si. J'ai reçu des nouvelles de mon mari. Excellente, merci. Ouais, non, ces deux-là sont toujours les derniers. Qui est-ce? C'est le baron Donati. Et elle? C'est madame de... Oui, bah, baron ou pas baron, moi j'en ai assez. Je m'en vais. Messieurs, bonsoir. Thank you.
demandez pas des nouvelles de mon mari? Non. Vous avez raison, il rentre demain. Someone you know. My husband. Oh. Don't you think one of the charms of marriage is that it makes deception a necessity for both parties? I want you flat on your back.
helpless, tender, open, with only me to help. And then I want you strong again. You're not going to die. You might wish you're going to die, but you're not going to. You need to settle down a little. Kiss me, my girl, before I'm sick.